Madame la Présidente, Mesdames et chères sœurs, Messieurs, nous voilà toutes réunies à l'occasion de la commémoration du 8 mars, dite fête de la femme. Permettez-moi de souhaiter que cette journée, qui voit réunies des femmes de tout pays, revête d'abord un caractère humanitaire. Permettez-moi d'attirer l'attention sur le fait que toutes les femmes qui ont la chance de vivre dans des pays développés, aux structures démocratiques affirmées, où les choix politiques sont tout à fait libres, où les élections sont transparentes, où la volonté de la majorité l'emporte, permettez-moi d'insister sur leur chance de vivre là où souffle le vent de la liberté, et ce même si la vie n'y est pas toujours rose, avec le chômage, la hausse des prix, la difficulté de trouver un emploi. Cette liberté qui permet de flâner tranquillement dans les rues, de s'asseoir en toute quiétude à la terrasse d'un café, de s'habiller selon sa volonté. Oui, il faut l'avoir perdue pour en apprécier toute la saveur et connaître tout le prix de cette liberté dont tant de gens dans d'autres pays sont démunis. Cette liberté qui permet aux femmes de participer à des élections vraiment libres, comme candidates, et de triompher selon la majorité. Alors aujourd'hui, pensons à ces femmes, à ces hommes et à ces enfants qui, dans de nombreux pays, risquent leur vie à chaque instant. Pensons à ces sœurs, à ces frères, qui souffrent à travers le monde et qui se sentent abandonnés, voire rejetés par les humains que nous sommes et qui leur paraissent cantonnés dans un silence complice des plus abjects. Nos sœurs et nos frères du camp Liberty en sont le vivant témoignage. Condamnés à court terme au manque de nourriture, condamnés à de nombreuses infections et à de nombreuses maladies, car ils sont interdits de soins et interdits d'hôpitaux. N'est-ce pas là un génocide qui ne veut pas dire son nom? Un génocide programmé grâce au silence complice de l'ONU et des autorités américaines qui avaient pris pourtant de solides engagements lors du transfert de ces personnes d'Ashraf au camp Liberty. N'oublions pas non plus les 6 femmes et l'homme, les 7 personnes victimes d'enlèvement. À ce jour, nous n'avons aucune information sur leur lieu de détention. Sont-ils vivants ou morts? Où se trouve leur lieu de détention? Nous évoluons ici en plein désert de non-droit. Nous ignorons également ce qu'il est advenu des corps de 50 personnes tuées à Ashraf. Où les a-t-on enterrés? Et les a-t-on seulement enterrés? Toutes ces questions non résolues, tous ces engagements non tenus n'honorent guère leur auteur. Ils ne sont révélateurs que d'une immense lâcheté, voire d'une certaine abjection humaine. C'est parce que nous réprouvons totalement cette ignoble conduite vis-à-vis d'êtres humains sans défense que nous sommes aujourd'hui à vos côtés, Madame la Présidente, en vous renouvelant notre espoir que les souffrances des prisonniers de Liberty, qui sont en principe des réfugiés selon la Convention de Genève, que leur souffrance soit enfin prise en compte par tous ceux qui ont le devoir absolu d'y remédier.
Continuez courageusement et inlassablement votre combat, Madame la Présidente, en faveur de ceux qui souffrent. Merci de votre attention et bonne fête à toutes.